passé et je suis toujours perdu. Vos conseils me manquent. J'aimerais avoir votre connaissance des difficultés à être un roi juste. J'aimerais avoir votre courage. J'espère que je parviendrai à être le roi que vous étiez. Puissiez-vous m'entendre et me voir progresser. Sargon, tu es venu présenter tes respects? Je suis là pour toi, Varam. Les rois n'ont pas d'amis, et tu ne me donneras pas tes pouvoirs. Où est-ce que cela nous mène? Nos chemins se croisent toujours. Alors on se retrouvera bientôt. Ahura Mazda, donne-moi la force de vaincre ceux qui veulent détruire la Perse. Si nous sommes les justes, donne-moi Apash, le feu sacré. Je ne te laisserai pas entraver le destin de mon fils.
Darius. Je sais ce que vous avez vécu avec Varam. Je sais le crime qu'a commis Tomyris. Sauve ce monde, sauve mon fils. Comment le sauver ? Que les dieux aient pitié de votre âme, roi Darius. Sargon, t'es dévoré par la malédiction qui règne ici. Ce n'est pas ça, Neit. Ce sont les pouvoirs. Ils ne sont pas destinés aux simples mortels. Des cadeaux empoisonnés. Tu devrais t'en débarrasser. Je n'ai pas le choix. Sans eux, je ne pourrai jamais affronter Varam. C'est le seul moyen. Je viens de comprendre une chose. Les autres Sargons, ils ont suivi ce même chemin. Tu parles toujours du chemin. Quel est le mien ? Les chemins de vie sont comme le cyprès sacré d'Abarco. Un seul tronc, une seule vie t'a mené jusqu'à ce lever de soleil. Cette partie de ton chemin est déjà toute tracée. Elle est unique. Mais 1000 branches s'offrent à toi maintenant. Et sur chaque branche, 1000 fruits. Et dans chaque fruit, 1000 graines. Une de ces graines sera ton chemin ?